couper la sauce fromagère, elle est prête. Alors, du coup, tu disais les fers isolés, ça va jamais chauffer, Chester. Explicite. Et la Croucrou, bonsoir, comment ça va, Croucrou? Comment elle va, la Croucrou? Obligée de mettre une boîte de thon sur les croquettes de Ducati pour qu'elle mange. Elle déprime trop quand Macaron est dans sa nuit. Oh non! Ninette. Ninette. Tu vas manger? Oui. C'est parce que t'as faim, là. Tu viens me gratter. Tu vas gratter à me porte là parce que tu veux tes croquettes en fait. J'ai bien compris. Du coup. En ce moment, je regarde l'histoire des tacos sur Netflix. Ça me donne envie d'en faire surtout les tacos sur Adero et Carnitas. Ah. Jamais fait encore des tacos. Jamais fait. Hop. Du coup, les copains et les mascottes ainsi que toutes les autres. Comment ça va la Croucrou? Hop, on attend. Tu peux y aller. Alors. Regardez cette jolie petite sauce fromagère là, à l'ail des ours. Ça va pas être mauvais ça. Hein, ça sent bon en tout cas. La Croucrou est là. Oui, la Croucrou est là. À merveille, et toi, pour te rentrer du travail. Tacos maison, super. Jamais fait encore. On essaiera un jour. Oh, une pâte à crêpes. Une pâte à crêpes à l'ail des ours, ouais. Prochain voyage, tu emmènes ta belle au Mexique et tu l'emmènes goûter les différentes sortes de tacos. Oui, mais ben, il faut un petit peu de... Non, prochain voyage avec Micheline, peut-être que cet été, on va louer un petit van et se faire un petit road trip. On est tenté par l'expérience... l'expérience van. Donc il y a peut-être moyen que cet été avec la niche on loue un van et on se fasse un petit road trip comme ça. Alors soit full France, soit peut-être quelques pays européens, on verra aussi selon la situation actuelle, hein. Mais ça nous tente bien ça. Alors je suis désolé, je vous tourne le dos, mais je me suis posé au plus vite pour pouvoir sortir la viande. D'ailleurs j'ai tourné un bout, ça sera la crotte ça. Hop. C'est comme celle-là, demain faudra être devant la télé. Ah oui, Chatter, je viens de capter la blague. Quelle blague? Attends, j'ai pas lu, j'ai pas vu. J'ai loupé un truc. Ah, ok, c'est bon, vive toi, Chester, yes. Donnez une médaille à cet homme. Donnez une médaille à cet homme. J'ai compris, Chester. Ok, je viens de capter. C'est quelle marque ton chien? Pardon, je suis perdu, j'ai du mal à suivre, mais ça a l'air bon. C'est comme celle-là, demain il faudra être devant ta télé. C'est la marque premier prix de chez SP. Les tacos en Amérique, c'est un délire, c'est trop bon, mais c'est pour ça que ça me fait si mal qu'on appelle les burritos tacos en France. C'est trop trop bon. Parce que derrière tu verras. Et coucou Diablo, comment ça va? Bonsoir. Et vous emmènerez Miss Crotte avec? Ouais, 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 ouais. On va emmener la crotte avec nous, évidemment, ouais. Bon, je vais refaire cuire le reste de la viande. Comme ça, ce sera fait. Ce sera cuit, puisqu'il faut que je la cuise de toute façon. Elle nécessite la cuisson, là. Sinon... Ouais, Chester, franchement, tu devrais. Je suis sûr qu'on se marrerait bien. Fatigué, mais ça va mieux, je viens de manger. Ah, qu'est-ce que t'as mangé de bon? Si ça va mieux, tant mieux.
Qu'est-ce que t'as mangé? Ce qui est le plus honteux, c'est que j'aime m'en faire avec un max de saleté dedans. Faut pas t'y penser, faut se lancer. Oui, mais oui, grave, franchement, ça serait extra. C'est ton loulou dur. C'est ton loulou sur ta photo de profil. Moi, j'ai déjà fait, mais j'ai ajouté salade composée à côté, salade verte, carotte râpée, betterave râpée au nord, sauce cocktail, de la feta et tacos dedans. J'ai mis sauce blanche, gruyère, cheddar, viande hachée, fraîchement. Eh bien, dis donc, pas mal, dope de sanglier avec des pâtes fraîches. Oh oui, mon petit couillon. Alors, on va se sortir aussi une... Donc on va les faire cuire nos pommes de terre à la sauce. Je vais les faire dans celle-là. Je vais les faire dans celle-là. Je vais bouger ma sauce. On va les faire ici sur le côté. Voilà,